Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. La Norvège est une terre de légendes. La musique et l'art populaire ont préservé des centaines de contes. L'un de ceux-ci, celui que nous allons voir, raconte l'histoire du petit Frick qui a gagné 3 liards. Il les donne généreusement à des mendiants qu'il rencontre sur son chemin, et le dernier mendiant se transforme en magicien. Il récompense le petit Frick en lui offrant un violon magique qui a le pouvoir de faire danser tout le monde. Le jeune homme l'essaie sur le bailli et sa suite qui s'avancent sur le chemin. Le bailli est offensé dans sa dignité et plus tard il fait arrêter le garçon qui danse avec ses amis dans une auberge au rythme du violon enchanté. Le bailli va faire pendre le petit Frick, mais celui-ci demande à emporter son violon à la potence. Magnanime, le bailli lui accorde cette faveur. Frick se met à jouer et tout le monde se met à danser. Alors, il profite du tourbillon général pour s'enfuir. Regardons les danseurs de Norvège qui font revivre la légende du violon magique.
Irène Chagnon vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de l'ambassade de Norvège et celui de Solange Peter. Montage Pierre-Michel Rey, script Lucette Andréhi, son Gérard Bockenmeyer.